C'est parti. Qu'est-ce que tu manifestes pour cette activation du 19 août? On est avec le ciel de la pleine lune en Verseau. Tu manifestes le succès apparemment. Tu choisis la bonne direction et tu es en train de dépasser des difficultés de manière très active par les actions que tu poses. Tu es sur le bon chemin, c'est ce qu'on te dit. Ah, je trouve ça trop bien. Pourquoi ça zoome pas? Attends. Parce que ça va m'énerver. Je le sens. Ok. Le succès. Un succès discret. Quelque chose que tu n'affiches pas, apparemment. Quelle est ta situation vis-à-vis de cette histoire de succès? La tempérance inversée. T'es très discret, très discrète sur ce que tu investis, sur le plan matériel comme immatériel, en termes de capacité de génération, de gestion et de fructification, qui se joue au travers de tes communications, de ta mobilité, de ta liberté, de ton sens de l'inclusion, depuis une scène familiale, conjugale, parentale, et d'occupation d'un territoire que tu te réserves, un lieu de vie, un foyer. Il y a une indépendance dont tu fais preuve qui est silencieuse. Ton challenge est peut-être de porter un autre regard sur ta situation vis-à-vis de ton sens de l'inclusion, de ta mobilité, de ta liberté et de ton autonomie, vis-à-vis de la mobilité justement et des communications que tu te proposes. Il pourrait y avoir quelqu'un qui te demande de revoir ta position vis-à-vis de quelque chose. Peut-être aussi que tu veux vivre une forme de libération, et c'est en ce sens que tu pourrais vivre un véritable succès, apparemment. L'influence cachée est immensément bénéfique. Avec l'empereur de l'épée, elle est celle de vivre un état souverain sur le plan spirituel, psychologique, perceptuel et communicationnel qui t'amène à vivre tes relations professionnelles comme plus personnelles depuis un mode, un état antérieur contemplatif qui te permet non pas seulement de reprendre tes esprits, mais de les garder. Depuis une énergie que tu déploies qui est créative, qui est passionnée, qui est inspirante, qui est lumineuse, qui est joyeuse, qui est légère, qui est amoureuse, sensuelle, sexuelle, et depuis peut-être même un épanouissement parental de projet ou de tes bébés d'amour. Ton intention, c'est le 7 de l'épée. Encore une fois, on nous parle de discrétion ici. Ton intention est de rester discret, discrète. En Verseau, en maison 12, vis-à-vis d'une personne qui fait partie de tes alliances, de tes soutiens, de tes contacts, de tes amitiés ou qui voudrait en faire partie et qui pourrait avoir l'énergie d'un stalker, tu vois, de quelqu'un qui pourrait t'épier ou qui pourrait te suivre. Ou... Il y a quelque chose de pas clair vis-à-vis de cette personne-là et tu voudrais pouvoir. Voilà. T'invisibiliser par rapport à certaines personnes que tu n'as peut-être pas envie d'intégrer dans ton quotidien de vie pour les raisons qui t'incombent. Ça te réclame avec le page de l'épée en balance en maison 8 pourtant de ne pas partir en catimini de ces relations, de ne pas te cacher outre mesure, mais au moins de dire les choses et de te retirer. Mais de dire non, stop, ça suffit. Tu vas l'aider? Il est également possible que ce comportement du page de l'épée soit celui de faire confiance à ton intuition pour pouvoir te guider vis-à-vis de certaines de ces relations ou d'une relation en particulier qui ne te semble pas claire dans des intentions qui n'ont pas été dévoilées ou assumées. L'expérience immédiate que tu pourrais vivre avec le jugement, c'est celle de voir depuis le poisson en maison
une, quelqu'un s'exprimer, te demander une forme de réconciliation, de pardon, de reconnaissance, voire de revoir ta position vis-à-vis d'elle ou vis-à-vis de lui. Tu pourrais recevoir cette communication au travers d'un appel, au travers d'un texto, au travers d'un mail, je ne sais pas trop, mais il y a quelqu'un qui pourrait vouloir te contacter dans l'espoir que vous puissiez vous retrouver au cœur d'un quotidien de vie, de travail, de santé, de soins, de services, de bien-être aux personnes comme aux animaux et partager une relation professionnelle ou plus personnelle. Ton pouvoir, c'est le 7 du bâton, c'est de dire peut-être non si tu n'en as pas envie, d'assumer en tout cas tes limites personnelles en les posant et en les respectant par toi-même. Si tu n'as pas envie de répondre à cette personne, tu ne lui réponds pas. Si tu as besoin de dire à cette personne que tu as besoin de lui dire, tu ne te répéteras pas. Et tu vois, incarner intérieurement l'énergie depuis laquelle tu souhaites te proposer de te présenter à cette personne pour que le message que tu as à lui délivrer ne soit pas incohérent avec ce que tu entretiens au fond de toi-même, dans tes relations. La personne en portant dans cette manifestation apparemment de succès, c'est la reine du denier en Capricorne, en maison 11. C'est une personne que tu pourrais reconnaître sur la scène de ta vie professionnelle, vocationnelle et contributive. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut aussi être toi. Dans tous les cas, tu reçois énormément de soutien, d'alliances, d'opportunités, de projets, d'actions de groupe, de rôles au sein du collectif, de la communauté, d'amitié, de générosité, de cœur, d'âme et d'esprit littéralement, au travers de tes amitiés, mais possiblement au travers de d'autres contacts. Et parmi ces contacts se joue une reine du denier, apparemment. Comment cette personne te voit comme le roi du denier ? En poisson, en maison 1, comme quelqu'un de souverain lorsqu'il s'agit de générer, de gérer, de faire fructifier tes ressources de toute nature, y compris matérielles et financières, dans le secret, dans la discrétion, dans une forme de décence. Vous avez une décence en commun, vous avez le sens du travail bien fait, de la méticulosité. Il y a quelque chose de cohérent dans votre expérience physique, relationnelle, matérielle et financière, que vous cultivez, que vous générez, que vous cultivez, que vous faites fructifier. Vous ne faites d'impasse sur rien, vous ne cherchez pas à court-circuiter quoi que ce soit, vous êtes diligent, vous êtes entreprenant, et c'est en tout cas comme ça que cette personne pourrait te voir. Ce que tu manifestes, c'est le roi du bâton, le chevalier, pardon, du bâton. Waouh ! Waouh ! Il est possible qu'avec cette reine, comme ce roi du denier, ça va dépendre comment tu vas te reconnaître dans cette histoire, il est possible que tu manifestes des communications, des échanges qui te viennent de cette reine du denier, et des échanges qui soient passionnés et qui puissent vous permettre d'une manière ou d'une autre de vous influencer mutuellement dans une créativité, des loisirs, des passions, mais peut-être aussi d'influencer une énergie amoureuse, sensuelle, sexuelle et un bonheur de la parentalité, de projet ou d'enfant, depuis laquelle vous pourriez vous retrouver en étant amplifié dans cette énergie, à la déployer au cœur de votre quotidien et à voir cette énergie porter des fruits en lien à une vie créative, amoureuse et parentale qui est un véritable succès. Que vous pourriez vivre comme une véritable réussite. Waouh ! Je m'y attendais pas du tout. Si tu vas pas en extension, que te dit cette reine du denier ? Je suis plus à l'aise avec ma tête qu'avec mon cœur. Il y a quelque chose, un partage autour de ça que vous pourriez vous proposer. Apparemment. OK. Et pour ton conseil, qu'est-ce qu'on a pour toi ? Laisse tes blocages, libère-toi de tes blocages en faisant des pierres sur lesquelles t'appuyer pour aller de l'avant.
C'est ce qu'on te dit ici. Ok. Je te dis à tout de suite si tu continues sur www.thecosmicjoker.fr et sinon à plus tard pour d'autres manifestations comme celle-ci. C'était The Cosmic Joker. Et que Dieu te bénisse.